6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda Vessa, bonjour. Bonjour. Raza, lorsqu'on ne meurt pas sous les bombes et les balles sionistes, eh bien, on meurt de faim ou de déshydratation. La famine est bien installée à Raza. L'aide jordanienne, émirate égyptienne, a été balancée en mer, contraignant les Razaouis à plonger dans l'eau. L'armée sioniste en a profité pour leur tirer dessus. Bilan, 118 martyrs et 760 blessés. Alors, je vais vous demander d'être un peu indulgent parce que j'ai une petite extension de voix. J'espère mais nous serons. Que je vais être vous pouvez compter sur nous. Plus ou moins audible. Alors, on parle ce matin d'un crime de guerre que les États-Unis n'ont condamné que très timidement. Aujourd'hui, ils ont affirmé avoir largué 38 000 rations alimentaires à Gaza, mais ils oublient de rappeler qu'ils ont livré 380 000 missiles et bombes contre cette population, justement, pour massacrer des millions de civils qui subissent une punition collective sous les yeux du monde entier. Exactement comme du temps de la famine au Vietnam, en 1945. En Indochine française, une famine qui avait fait, rappelez-vous, 2 millions de morts. 2 millions de morts, c'est un chiffre effarant. Et au milieu des années 90, entre 600 000 et 1 million de Nord-Coréens sont morts en raison des sanctions et de l'embargo des pays occidentaux. En fait, la famine est l'une des armes de guerre les plus anciennes et les plus utilisées. Ces tactiques n'ont pas changé pour autant. Destruction des exploitations agricoles, des ressources alimentaires, des ressources en eau et isolement total des populations assiégées. Suite au plan de la fin d'Adolf Hitler, 4 200 000 soviétiques sont morts de faim pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on se rappelle le siège de Stalingrad. Les États libéraux sont en fait loin d'être innocents. Le Code Libère de 1863, que le président Abraham Lincoln a ratifié, stipule qu'il est légal d'affamer les belligérants. Et il explique que l'armée peut contraindre les civils en fuite à retourner dans une zone assiégée pour hâter leur capitulation, y compris en leur tirant dessus. Les puissances atlantiques ont utilisé la famine de masse comme une arme de guerre pendant les deux guerres mondiales avec des blocus maritimes très très sévères, très rigoureux. Les États-Unis sont allés jusqu'à appeler une de leurs campagnes d'encerclement du Japon en 1945 Opération Famine. C'est dire le cynisme. Tandis que la Grande-Bretagne a réutilisé cette expression pour son programme de délocalisation massive des populations destiné à vaincre les communistes en Malaisie britannique dans les années 50. Et lorsque les conventions de Genève ont été rédigées après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont quand même réussi à faire front aux initiatives visant à interdire de telles méthodes, perdurant ainsi l'usage de la famine dans les conflits armés jusqu'à ce dernier génocide de Gaza. Avec votre extension de voix, voilà, on imagine que vous auriez pu ne pas venir, mais vu le sujet, vu l'actualité, vu le contexte, vous avez tenu tout de même voilà, à nous parler, nous éclairer sur ce qui se passe à Gaza. Il n'y a pas d'autre mot pour dire les choses que celui de génocide et d'extermination. Merci à vous, Linda Bebs.